Avec les suites, justement, Michael, des fausses alertes à la bombe au château de Versailles, l'un des auteurs a été jugé ce lundi. Il avait averti, je cite, « Le trône de Louis XIV va sauter ». A plus, le responsable de ce canular a été interpellé grâce à son numéro de téléphone. Il a reconnu les faits en garde à vue. L'individu de 37 ans souffre de schizophrénie et a un casier judiciaire vierge. Au chômage et toujours chez ses parents, la motivation terroriste n'a pas été retenue. Il comparaissait libre devant le tribunal judiciaire de Versailles qui a rendu son verdict. Une mauvaise blague qui lui vaut 8 mois de prison avec sursis et des dommages et intérêts non chiffrés. Deux policiers de Guyancourt ont été placés pendant plusieurs heures en garde à vue après l'utilisation de leur arme à feu. Les faits se sont produits ce dimanche, un individu a été pris en chasse vers 15h sur la commune de Guyancourt. La raison, ce jeune homme de 19 ans avait dérobé un véhicule avant de prendre la fuite jusqu'à Villiers-le-Bacle. C'est là que le forcené a tenté de forcer un barrage de policiers. Les deux fonctionnaires ont alors ouvert le feu, le blessant au thorax. Un temps placé en garde à vue, les deux policiers ont été remis en liberté ce lundi matin, selon le parquet de Versailles. Les jours du fugitif ne sont plus en danger. C'était ce matin le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, était à Montigny-le-Bretonneux. Exactement, Grégory. Le ministre était venu pour soutenir un projet de formation qui vise à renforcer l'employabilité des talents. Son nom, la Talent Academy. Son objectif, susciter des vocations, notamment chez les jeunes femmes, sur les métiers scientifiques et techniques. Pour ce faire, le programme s'axe autour de trois thèmes, éduquer, former et recruter. On écoute Sophie Dumas, la directrice de la formation, qui nous en dit plus au micro de Clara de Frutos. Sur le programme incubateur, par exemple, nous avons aujourd'hui une communauté avec à peu près 700 apprentis. Donc à qui nous proposons des activités diverses, par exemple des visites de sites, des rencontres avec des startups, parce que ces jeunes, ils sont friands de ce monde des startups. Donc c'était à l'école 2600, je n'avais pas précisé. On termine avec plus de légèreté pour ces actualités du jour. Une idée de sortie en ces vacances de la Toussaint. Tout à fait, Grégory. Le 28 octobre à Versailles, une murder party sera organisée pour fêter Halloween, une sorte de jeu de rôle grandeur nature dans l'ancien domaine de Madame Elisabeth, transformé pour l'occasion en une base militaire et scientifique pour développer des super soldats. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Votre objectif est simple, résoudre l'enquête et fuir les zombies pendant 45 minutes. Comptez 25 € par personne et 16 ans minimum pour vivre cette expérience. Merci Mickaël, et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une information qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.